Bonjour, nous sommes le samedi. Bonne question, il fallait peut-être te la poser avant. Le samedi 16 mai, je viens de tourner le point lecture que vous aurez demain, donc dimanche 17, avec ces trois livres. Vous les avez vus, donc je peux vous montrer. Et je reviens vous parler de mes lectures en cours. Je n'ai toujours pas fini Un palais de cendres et de ruines. Je compte bien le terminer aujourd'hui puisqu'il me reste moins de 100 pages. Oui, ça paraît pas beaucoup là, mais oui, j'ai encore 80 pages à lire. J'aime beaucoup cette lecture, vraiment beaucoup, c'est addictif, c'est un petit peu comme les autres tomes. J'ai un peu peur, là clairement on est dans une bataille et je sens que quelqu'un va mourir et ça me désespère. Donc je vais continuer ça, le finir aujourd'hui, j'espère. Et je suis toujours dans Les Révoltés de Bohène, je suis à 23%. Donc clairement, celui-là il est pas prêt d'être fini. Hein. Lundi, j'attaque une nouvelle lecture commune avec Marine qui m'a motivée parce que clairement ce livre je le mets dans ma palle du mois de la fantaisie tous les ans et je ne le lis pas tous les ans. Donc lundi, je vais attaquer Fairy de Raymond Ifest. Raymond Ifest, c'est un grand nom de la fantaisie. J'avais adoré toutes ces trilogies, oui parce qu'il y en a plusieurs. Alors est-ce que c'est des trilogies? Je sais plus. Mais je les avais lues quand j'étais plus jeune hein, avec Pug. J'avais adoré, je me les suis réécoutées en audio parce que j'avais pris l'intégrale sur Audiolib. Il me fait énormément peur ce livre parce que j'en vois des avis très mitigés, j'en vois des coups de cœur, donc je ne sais pas quoi penser de ce livre. Mais je le commencerai lundi. Voilà. Et entre temps, entre ces deux livres, je continuerai Les Révoltés de Bohène parce que je veux pas attaquer un autre livre quand même. Ça ferait un peu trop. Voilà. Bon, je vous tiens au courant hein, de toute façon. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes toujours samedi. Il est 19h. Non. 20h. Il doit être 20h. Je viens de terminer Un palais de cendres et de ruines. Et c'était très chouette. J'aime beaucoup cette saga. J'aime beaucoup. C'est très addictif en fait. Vraiment une saga très, très addictive. Voilà. C'est tout pour moi. Bonjour, nous sommes mardi 19 mai, il est 19h16 et je ne sais absolument plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois, mais ça doit faire longtemps. Ça doit faire pas mal de temps je pense, hein, parce que c'est pas folichon là en ce moment la lecture. J'ai attaqué hier une nouvelle lecture. Et j'ai attaqué Fairy de Raymond Ifest. Finalement, c'est Marine qui me propose de le lire avec elle. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. On s'est motivés toutes les deux. Et on l'a attaqué. Là, je suis page 127. J'ai lu tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Parce que ça fonctionne par mois. Et je compte bien arriver jusqu'à la page 160 pour lire les 80 pages qu'on s'est donné à lire chaque jour. Je pense que je suis un petit peu hors sujet, parce que le mois de la fantaisie, c'est de la fantaisie, mais là on est plus dans du fantastique. Mais comme Stéphanie nous a dit que c'était fantaisie au sens large, allez, on va quand même être avec des créatures, on parle beaucoup de culture païenne, religion païenne, enfin, avec les elfes, le retour des elfes, le paganisme, etc. Donc je pense qu'on va quand même avoir la présence du petit peuple ou quelque chose d'approchant, donc on n'est pas dans de la fantaisie mais on s'y rapproche un petit peu hein. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. En même temps je continue à lire Les Révoltés de Bohène et j'en suis à 35%. Voilà, ça avance pas vite hein. Ça avance pas vite du tout. C'est pas grave, le plus important c'est de prendre du plaisir. Et pour l'instant, c'est très lent, mais c'est pas mal. Hey, Oscar est terminé. Enfin, je l'appelle Oscar. Le squelette, quoi. Le puzzle squelette est terminé et maintenant, il est à mes pieds. Bonjour tout le monde. Nous sommes le dimanche 24 mai. Je vous fais un petit point sur mon mois de la fantaisie. Hier soir, j'ai terminé Fairy de Raymond Ifest, que je lisais en lecture commune avec Marine. Ce livre pour moi rentre dans la catégorie incontournable de la fantasy puisque Raymond Ifest a écrit la saga des chroniques de Crandeur qui est une référence je trouve en fantasy et bonne surprise, il y a beaucoup de musique et de chants
et de danse dans ce livre, donc je l'inclus aussi dans le champ de Pipin, et je n'avais aucun livre pour cette catégorie, donc c'est parfait, nickel. Concernant l'histoire, alors nous on nous le présente comme le joyau fantastique de l'auteur. Non, c'est pas ce que je fais. J'ai un petit chien en dessous de moi là, qui s'allonge sur le puzzle. Bref, donc on est dans notre monde essentiellement, mais pas que, parce que finalement à la fin on part dans le monde des fées. Donc c'est quand même pour moi de la low fantasy, hein, mais je suis quand même pas totalement ressurgée avec ce livre. C'était sympa, mais c'était long quand même, hein. Il y a beaucoup de longueurs et j'ai même trouvé des longueurs sur la fin. Alors que c'est censé être le moment où il y a le plus d'action, les combats, les trucs comme ça, et en fait, je m'ennuyais. Voilà. Mais vous aurez un avis un peu plus construit dans mon point lecture qui devrait sortir dimanche prochain. Donc, dimanche, on sera le combien ? On sera le 1er juin ? Non, 31 mai. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des révoltés de Bohène. J'ai avancé, je suis à 62%. 62% pour 11 heures de lecture. Voilà. Ce livre est énorme. Ce livre me prend un temps fou à lire. Mais 11 heures de lecture, ça veut dire que je vais le finir à plus de 20 heures. Et c'est long. C'est long. Alors, j'adore la plume d'Estelle Faye. C'est vraiment très, très agréable à lire. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de réflexions. C'est pas commun, c'est vraiment une plume pas commune. Mais c'est long, parce que j'ai l'impression que rien n'avance. On est avec plusieurs chapitres sur un personnage et on est pris dedans. Et il y a cette certaine lenteur comme ça qui est plutôt agréable. Mais quand on se dit que ah c'est yes, ça va partir, et ben on change de personnage. Et voilà, c'est un petit peu lent, hein, clairement. Donc hier soir, je me suis pris une lecture qui devrait se faire très rapidement. Il s'agit de Iskari, le tome 1 à Châtieuse de Dragon. Et hier soir, j'ai lu 37 pages. Voilà, j'ai pas lu énormément. Il a beau faire 430 pages, je sais que celui-là, je vais me le bouffer. Et tant mieux, parce que j'ai envie d'une lecture qui aille vite. Et comme je me prévois une petite commande, je me dis que je pourrais... que je pourrais peut-être commander le tome 2 si ça me plaît. Parce que là je suis dans l'optique de faire une commande qu'avec des tomes 2, 3, 4, enfin bon voilà, des suites de saga pour terminer mes sagas. C'est mon optique. Malheureusement, celui que je veux absolument commander, il s'agit des Faucons de Ravera, le tome 3, pour terminer cette saga. Et la FNAC ne l'a pas. Et je ne fais pas ma commande tant que ce tome 3 n'y est pas et du coup voilà. Hier, j'ai eu un petit souci hein, pour encoder, enfin, pour ma vidéo d'aujourd'hui. Hein, ce n'est pas un point lecture, ce sont les sorties livresques. Sauf que quand j'ai voulu mettre mon appareil photo sur le PC, la connexion USB ne marchait plus. N'a plus marché. Voilà, ne marche plus. Hein, donc je me suis dit, super, j'ai un super appareil photo, je ne peux pas récupérer mes vidéos. Je n'ai pas de lecteur de carte sur le PC. J'avais trouvé la solution de recharger mon ancien appareil photo et de mettre ma carte SD dans mon appareil photo, mon ancien appareil photo, et de le connecter. Lui, il marchait nickel. Et puis, ben, Lionel est parti chercher une clé SD, lecteur de carte SD, et puis voilà. Mais ça fait flic, hein. Hier, tout s'acharnait. Hein. Je me suis dit, je vais jamais la sortir cette vidéo, surtout que c'est celle qui demande le plus de montage. Donc voilà. Bref, je vous embête pas plus. Moi je vais essayer de lire un petit peu. Je sais pas si Julia va me laisser lire. Elle a l'air d'être un peu pot de colle ce matin, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui. Pot de colle. Voilà. Et puis j'ai fait un petit bilan, je n'ai lu que 5 livres ce mois-ci. Le mois dernier j'en ai lu 19. Là je suis à 5. Donc clairement la fantasy, pourtant d'habitude je ressens pas ça. Mais là j'ai lu essentiellement des livres de fantasy adulte et du coup ça ralentit énormément mon rythme. Alors je bosse aussi à plein temps. Et puis bah, je me dis que courant de la semaine il faudrait que je lise ça puisqu'il sort le 4 juin et que il faudrait que je lise avant sa sortie.
Ça, c'est Le fracas du silence de Fabien Fernandez, que j'ai reçu de la part de Scrinio. Voilà, vous savez tout, ma pile du mois de la fantaisie est juste à côté de moi et c'est une cata parce que je n'ai même pas lu la moitié, hein, vraiment. Je me dis que d'ici la fin du mois, je pourrais peut-être en lire Escari, Les Révoltés de Boine, je suis même pas sûre de le finir avant la fin du mois. Et je pourrais peut-être en lire un de plus, mais ce sera tout, hein. Ça va pas très très vite. Bonsoir, nous sommes le mardi 20. 6 mai. Hier soir, j'ai terminé Iskari, le tome 1. J'ai fini à minuit et demi, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je voulais continuer, je voulais savoir la fin de cette histoire. Donc c'est pour vous dire que ça a été une très bonne lecture. Je suis à la limite du coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé les personnages. Le personnage de Iskari, hein, de l'Iskari. C'était vraiment très sympa. Il y a beaucoup de dragons. J'adore les dragons. Je crois qu'il y en a beaucoup moins dans le tome 2. Mais je vais forcément me commander ce tome 2 très prochainement. Parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et puis ça se lit tellement vite. Voilà, j'avais besoin de quelque chose qui se lise vite. Donc c'est fait. Ça y est. Concernant Les Révoltés de Boine, je suis à 73%. Donc je continue tranquillement, pépère, mon chemin. Et je vais rester dans Les Dragons, et vous ne voyez pas, avec Les Yeux du Dragon de Stephen King, que je vais attaquer en lecture commune avec Martine, et j'espère le finir avant la fin du mois de la fantaisie. Bonsoir, nous sommes vendredi 29 mai, ça y est, c'est bientôt la fin. Le mois de la fantaisie se termine dimanche, et... Je suis loin d'avoir fini mes lectures, hein, clairement. Ce soir, c'est aussi le début du week-end à Mille. Là, il est 19h30, donc en fait, il est déjà commencé. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce week-end à Mille. Hein. Le but, ça va être de terminer Les Révoltés de Boine. J'ai pas trop d'espoir, je suis à 79%. Il me reste 20%, donc il me reste pas mal d'heures de lecture. Je ne suis pas sûre de finir. Mais bon, j'aimerais quand même le finir pour le mois de la fantaisie. Je suis aussi dans Les Yeux du Dragon. Je sais même pas si je vous l'avais dit. Je l'ai attaqué quand? Je l'ai attaqué mercredi. Et voilà, je suis pas encore à la moitié. Je le lis en lecture commune avec Martine et Emma. Je suis à la bourre d'ailleurs. Elles ont toutes les deux lu leur partie. Il me reste 40 pages à lire pour les rattraper. Donc je vais essayer de m'y mettre. Même si... on a à la maison un copain Lionel. J'ai Julia aussi sur le dos. Il y a Koh-Lanta. Rien n'est fait pour que je lise ces 40 pages, mais il le faut. Hein. Voilà, les filles m'ont mis la pression. Elles ont toutes dit qu'elles l'avaient fini, cette partie. Donc il faut que je continue. Et puis demain, on se donnera 80 pages de plus. Après, ce que j'aimerais lire. Et à mon avis, rien que ces deux-là, ça va m'occuper. Le fracas du silence, oui, ce n'est pas un livre de fantaisie, mais on arrive à la fin du mois de la fantaisie. Donc... Et celui-ci sort le 4 juin, et il faudrait que je l'ai lu avant le 4 juin. Ce serait bien. Même si je rendrai ma chronique que le dimanche d'après. Donc, si le 4 juin, c'est jeudi, vendredi 5, samedi 6, dimanche 7. Je rendrai ma chronique le 7 et ce serait parfait. Mais il fait 340 pages. C'est pas gagné non plus. Bref, j'y vais dans ce week-end à Mille de manière très prudente parce que je sens que ça va pas être possible. Clairement. Clairement ça va pas être possible puisque demain après-midi c'est pareil. Il y a une copine à Julia, sa meilleure copine, qui vient pour l'après-midi avec ses parents et sa petite sœur. Donc passer l'après-midi avec des gens, hein, sociabiliser un petit peu. Sinon, si je suis dans mes livres, ça va pas le faire. Donc c'est pas gagné du tout. Et le dimanche, on a les parents de Lionel qui viennent manger. Donc voilà. Là, on va combiner le mois de la fantaisie et le week-end à Mille pour cette session-là. Je viens juste de tourner le point lecture que vous aurez demain pour vous. Donc demain dimanche 31 mai. Et là, je vais vous parler un petit peu de ma progression
pour le mois de la fantasy et le week-end de Mille. Hein, clairement. Hier soir, j'ai lu Les yeux du dragon. Je suis arrivée page 313, sachant que j'avais commencé mon week-end à Mille page 200. Et ce matin, j'ai continué Les révoltés de Boen que j'ai en e-book. Alors j'étais à 75%, donc ça fait la page 579. Et je suis arrivée page 674, donc presque 100 pages aussi pour Les révoltés de Boen. Donc je suis à plus de 200 et quelques pages. Je suis contente, ça avance bien. Pour Les yeux du dragon, il me reste 10 pages à lire pour atteindre l'arrêt qu'on s'est donné avec les filles pour aujourd'hui. J'espère bien terminer Les révoltés de Boen aujourd'hui, puisqu'il me reste, je suis à 92%, j'aimerais bien le finir, il fait 733 pages. Donc il me reste encore de la marge. Donc voilà pour ma progression. Et coucou, je reviens, il est bientôt 15h, je viens de terminer Les révoltés de Boen. Donc voilà, c'est fini, j'ai été surprise de trouver le mot fin à 94%. Parce que finalement, les pages suivantes, ce sont des extraits d'autres livres. Donc je m'arrête là. Ça fait que j'ai lu 114 pages des Seigneurs de Boen sur ma liseuse et que j'ai terminé cette lecture qui me court depuis des semaines et des semaines. Je crois que je l'ai commencé au début du mois de la fantaisie. Hein. Donc clairement, ça a été la lecture marathon de ce mois-ci. Ça a été une bonne lecture. C'est tellement riche, tellement développé cet univers. La plume d'Estelle Faye est magnifique. Je me suis attachée aux personnages. Je pensais avoir une grande distance avec les personnages et finalement, avec tout ce qui leur arrive, je me suis quand même grave attachée à eux. Concernant Les yeux du dragon, j'ai lu 121 pages des yeux du dragon. Je m'arrête là parce que c'est la pause obligatoire en LC. Donc maintenant, ça va être ça. Mais je vous dis, je combine plusieurs challenges, cette fin de challenge, donc... Je m'arrête là pour les deux fantasy, j'ai encore une palle énorme, mais je sais très bien que je le finirai pas avant dimanche, donc c'est pas la peine, donc je vais lire ce contemporain. Nous sommes dimanche 31 mai, il est 11h et je viens de terminer Les yeux du dragon, mon dernier livre pour ce mois de la fantasy. Pour ce qui est du challenge de Weekend à Mille, j'ai lu donc 272 pages de ce livre. Plus Les révoltés de Boen, donc je suis à 384 pages aujourd'hui, dimanche. Donc inutile de vous dire que ça va être un peu foutu. Mais bon, pour ce qui est du mois de la fantasy, je vous fais un petit bilan rapide. Hop, j'ai tous les livres à côté de moi, ça aide. Pour faire court, mon bilan du mois de la fantasy, ce sont 8 livres lus, c'est-à-dire Les révoltés de Boen, Les yeux du dragon, Un palais de cendres et de ruines, Féerie, Iskari, La guerrière fantôme, Chevauche brume et Rêve d'envol. Voilà, donc ça fait 7 livres papier, 8 livres si on compte l'e-book, sur une palle que j'avais fait de 12 livres, sauf que parmi ces 12 livres, il n'y avait pas Un palais de cendres et de brume, et il n'y avait pas Les révoltés de Boen. Je suis quand même assez fière de moi, ça a été un très bon mois de la fantasy, j'aime beaucoup, beaucoup la fantasy, donc pour moi, c'est un challenge qui me parle. Merci Stéphanie d'organiser ça chaque année, un grand merci, c'est très chouette. Et moi, je vais continuer mon challenge du week-end à Mille, voilà, donc je vais attaquer... Le fracas du silence. Pas sûr de lire beaucoup, mais je vais l'attaquer. Hello, hello, il est 18h10, nous sommes toujours dimanche. J'ai attaqué Le fracas du silence et j'ai lu 102 pages. Voilà, pour l'instant, je n'avance pas très vite, mais en même temps, on a passé l'après-midi avec les parents de Lionel qui viennent de partir et moi, un petit peu sur le transat, j'ai réussi à lire. J'arrive d'ici difficilement aux 486 pages ou un truc comme ça. Je vais toujours en maillot de bain. On va aller prendre la douche. Non, le bain. Le bain, voilà. Toi, tu vas prendre le bain. Moi, je vais prendre la douche.
Et je vais essayer de continuer ça ce soir. Mais c'est sympa, hein, mais ça se lit vite. Mais j'ai pas eu le temps de lire. Donc j'aimerais bien arriver à au moins 600 pages. Ce serait sympa. Bonjour. Bonjour. Allez, on va aller au bain. Au revoir. Bonjour, au revoir. Et bonjour, nous sommes lundi 1er juin. Ça y est, le mois de la fantaisie est terminé. Le challenge du week-end à 1000 est terminé. Et hier, j'ai lu jusqu'à minuit moins quart. Et j'ai lu 300 pages. Donc je me suis arrêtée à 684 pages pour le fracas du silence en tout. Et j'ai fini ce livre ce matin. Voilà. Donc j'ai loupé mon week-end à 1000, mais j'ai passé un bon moment. Je vais terminer là cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère que ce petit vlog vous a plu, que vous voulez partager aussi avec moi votre challenge du mois de la fantaisie, du week-end à 1000. Allez-y, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.